Bonjour à tous, c'est Shadowross et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Shadow of Colossus où on se retrouve juste après avoir battu le quatrième colosse. Kittle se castre comme d'habitude et cette fois-ci on avait eu 4 ombres sur près de Haru. Le cheval va voir la petite. Il n'a pas l'air de se réveiller, de toute façon. Bon, normalement, c'est la fin des... Ça va devenir plus compliqué, normalement. Votre prochain ennemi est... Son ombre gigantesque obscurcit les eaux brumeuses du lac. Ce ne sera pas chose facile que d'atteindre cette masse qui s'élève dans le ciel. Tu veux dire que c'est quelque chose qui est dans l'eau et que du coup qui va pas être facile à atteindre vu qu'il vole? Ou un truc comme ça? Bon, bah on verra bien, de toute façon, au moment venu, hein, mais apparemment, si j'ai bien compris, ça va être un truc qui vole, alors. Ok, c'est par là. Ok, on va par là. Du coup, ben, différents endroits hein, pour différents colosses, tout ça. Des fois ça peut être rapide, des fois ça peut être lent, ça dépend de à quel point le colosse peut être. Du coup, là, normalement, si ce que dit est vrai, du coup, l'ombre du lac, apparemment il peut voler. Ouais, j'ai peut-être une idée de qui ça peut être, mais j'ai un doute parce qu'il y en a un autre qui est dans le lac, justement. Et... Bah, en fait, il y en a 3 dans le qui sont dans les lacs. Mais bon, mais bon, ça correspond pas vraiment. Parce qu'en plus c'est l'un des derniers boss à battre, donc l'un des derniers colosses, pardon, je devrais dire. C'est pas des boss, c'est des colosses. Bon, apparemment c'est là. Ok, je vois peut-être qui c'est. Et c'est bien celui-là que je pensais, du coup. Voilà, vas-y, nage. Je sais pas comment tu nages, mais apparemment tu sais pas nager. Voilà. Ah, il faut aller là. Allez, hop. C'est une petite tour à monter. On n'a pas encore eu de cinématique, donc on ne sait pas si c'est vraiment ici, mais bon. Ah, la voilà la cinématique. Ok, c'est bien lui que je pensais. Ah,
l'oiseau. Bon, du coup, pour le battre, ce monsieur, je dois me rendre quelque part. Elles sont où les plateformes? Bon, écoutez, on va nager, on verra bien où elles sont les plateformes. Parce que normalement il va pas bouger de son perchoir, hein. Il va falloir... Ah bah ils sont là devant moi, je les avais même pas vus. Il va falloir lui tirer dessus. Du coup comme je disais... Bien, il s'est pas accroché correctement. Alors, il a plusieurs points faibles, ce monsieur. Donc, il va falloir... essayer de faire en plus vite. Oh voilà, on est tombé. Mais l'un de ses points faibles est mort, il me semble. Parce que... il est tourné... il n'y avait plus le symbole au moment où je l'ai vu. Donc ça veut dire qu'actuellement je vais devoir battre le deuxième aile. Et autre chose du coup. Parce qu'il y a au moins 4 points faibles ce petit boss. Alors, où est-il? Il est là-haut. Est-ce que j'arriverai à l'avoir? Je pense pas que j'arriverai à l'avoir, il est trop loin, vraiment. Bon, il est parti par là, il va revenir par là du coup. Ah, il est là-haut. J'ai eu. Ok, je t'ai eu.
Ok. Non, c'est pas un point faible ça. Ok, c'est au bout alors son point faible. Ouais, je m'en doutais. Allez. Voilà. Encore. Encore un coup et c'est bon. C'est bon. Il est mort. Bon. Voilà, il est mort. C'était pas un boss trop difficile. J'ai dit, c'est quoi, ils arrivent, les messieurs? Je m'en doutais qu'ils allaient venir un moment ou un autre, mais bon. Mais les boss sont trop facile actuellement là, et j'ai pas mis tant de temps que ça sérieusement. Je pourrais en faire plein des boss sérieusement. Bon, écoutez, ça y est, le cinquième. J'espère que les boss seront plus durs dans les prochaines vidéos. Hein. Ah, il fait chier, je dis des boss alors que c'est des colosses. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, du coup. J'espère que dans les prochaines vidéos, que les colosses seront un peu plus difficiles. Mais pour l'instant, du coup, nous sommes à notre cinquième colosse, qu'on va sauvegarder tout de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour battre notre sixième colosse. Et on a déjà presque une heure passée sur ce jeu. Alors que je pourrais le speedrun facilement, vu à quel point les colosses sont faciles à battre, mais bon. Mais bon, j'ai encore du chemin à faire pour faire du speedrun, hein, c'est bon. Bon, bref, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, du coup, on se retrouvera face au sixième colosse. Salut, et bye bye!